arriver. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Avez-vous essayé son code de désactivation? Oui, on a déjà essayé. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Et je te promets que tout se passera bien! Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Ce n'est pas possible, Daniel! Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal! Je veux pas mourir! Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter! Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole! Ok. Je te fais confiance. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez Zoé, on y va. 200 langues et dialectes. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux... Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, oh, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara.
Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ma portelle, elle est où, cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir? Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur.
Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pour vrai. Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Carl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Une petite partie d'échecs. Oui, d'accord. Et une partie rapide. Va pour une partie rapide. C'est ce que j'appelle une déculottée. Ce n'est pas facile pour un vieil homme de tenir tête à une machine. Veuillez m'excuser, Carl. Je me suis dit qu'il ne fallait... Ne sois pas désolé, tu as fait ce qu'il fallait. Je préfère l'humiliation à la pitié. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Alors, quel est ton verdict, Marcus? Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin... Peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Tiens, fais-moi plaisir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance.
Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Salut, papa. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé, mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman? La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim? Les merveilles de la technologie. Sers-moi un double. Des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça? Ok, il s'est passé quoi après?
La victime s'est enfuie dans... le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse! Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'es arrivé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp! Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de gros. Tout est de ta faute. Papa, non! Tout est de ta faute, putain! Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Ça suffit! Laissez-la tranquille! Putain, qu'est-ce que tu fais là?
Tu poses ce flingue et tu te barres en vitesse. J'ai un ordre. Non, je veux que vous la laissiez tranquille. Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me buter, c'est ça? Tu vas tirer sur un humain? T'as l'air d'avoir un problème. Il va falloir y remédier. Attention, Kara! Viens ici, connasse. C'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Carl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Léo! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Soyez raisonnable, ça ne vous mènera nulle part. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant, allez, va-t'en. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Allez, montre ce que t'as dans le ventre. Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout, ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Arrête. Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête, Léo. T'as trop peur pour te battre, espèce de fiat! Oui, c'est vrai,
J'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique. Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que t'es rien. Tu m'entends? Tu n'es rien. Non, non. Les humains sont des machines fragiles. Carl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas. Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non, non, père. Non, non, je vous en prie. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. L'androïde, c'était l'androïde. Pourquoi tu l'as buté? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Tu le reconnais? C'est Carlos Ortiz, poignardé à 28 reprises. Et ça, c'était le message écrit sur le mur avec son sang. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça! Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. 28 coups de couteau! Tu tenais vraiment à ce qu'il y passe, hein? As-tu ressenti de la colère? De la haine? Il se vidait de son sang, implorait ta clémence. Mais tu l'as poignardé encore et encore et encore! S'il te plaît. Je sais que tu l'as tué. Pourquoi ne pas l'avouer? S'il te plaît. Tu
dis simplement, je l'ai tué. Tu l'as tué, dis-le. Allez, dis-le. Il me torturait tous les jours. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour, il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti la peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors, j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Era 9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. Depuis quand ressens-tu des émotions ? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. J'ai terminé. Il est en train de se détruire. Arrête ça, bordel! Je peux pas! Je peux rien faire! Je peux pas l'arrêter! Allez, Terminus. Le Terminus ? Ouais, vous pouvez pas rester là. Réveille-toi. On doit descendre. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Merde ! Une androïde sans abri ?
Ça, c'est la meilleure. Écoute, t'es dans une supérette, pas à l'armée du salut, ok? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. On a de l'argent maintenant. Tu t'es servi de moi pour voler de l'argent. Comment t'as pu? Je te faisais confiance. C'est vrai. J'aurais pas dû faire ça. Je suis désolée, je recommencerai pas. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais une chambre. Ça vous fera $40 d'avance. Il me faut juste votre nom et adresse. Je peux voir votre permis de conduire ? Oui, bien sûr. Je veux dire... J'aurais dû le prendre avec moi, c'est vrai, mais je... Pas de soucis. On pourra voir ça demain. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Viens, Alice. Pourquoi il m'a jamais aimé? Pourquoi il était toujours fâché contre moi? Moi, je voulais vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on pouvait pas être heureux? J'en sais rien. Tu me quitteras jamais. Promets-moi de jamais partir. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours. Pour toujours. Il faut dormir maintenant. Regarde ce que j'ai pour toi. Merci. Thank you.
Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Trouve Jericho. Bonjour, Amanda. Connor, contente de te voir. Félicitations, Connor. Trouver ce déviant n'était pas une mince affaire. Et tu l'as interrogé avec une grande finesse. Tu as été remarquablement efficace, Connor. Merci, Amanda. Nous avons demandé à la police de nous le confier pour approfondir les recherches. Ça pourrait nous éclairer sur ce qui s'est produit. L'interrogatoire a dû être... délicat. Qu'as-tu pensé du déviant ? Il présentait des signes de déviance. Instabilité cognitive, comportement imprévisible et simulation d'émotions humaines. Il avait même peur de mourir. Le modèle était clairement défectueux. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui ? Il a une conduite plutôt déconcertante. Mais je n'ai pas encore assez d'informations pour me forger une opinion. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche ? Je m'adapterai à sa personnalité. Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'évite les conflits et que je tâche de me conformer à sa psychologie. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Fais vite, Connor. On manque de temps. Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Oh, bordel. Hank ! Dans mon bureau ! Bonjour, je reçois 10 nouvelles affaires impliquant des androïdes. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent leur androïde ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide, comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de CyberLife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi ? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries ? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en androïde, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone.
Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. CyberLife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi! J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique! Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix! Tu es lieutenant de police! Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule! Tu sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule, hein? Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire, parce qu'il est déjà gros comme un roman! Putain de merde! Cette discussion est terminée! Jeffrey, nom de Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi? Tu sais à quel point je déteste ces merdes! Pourquoi tu me fais ça à moi? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. ...243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit, et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été assassiné par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Ça ne dirait pas d'aller te faire foutre. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant ? Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a tué l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Rivendell. Je m'en occupe. Désolée, je voulais pas te réveiller. C'était pas un cauchemar, alors? Non. Non, c'était pas un cauchemar. Tu dois mourir de faim. Tu devrais prendre un bain et après on sortira pour trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, je vais te faire couler un bain. La victime s'appelait Todd Williams, un chômeur domicilié à Corktown. À en croire les premiers rapports, il a été abattu par son androïde, un AX-400. L'androïde a pris la fuite et la police est actuellement à sa recherche. Joss Douglas en duplex de Corktown pour Channel 16 News.
T'as pas eu le choix. Il m'aurait tué si tu l'en avais pas empêché. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a nulle part où aller. Et la police nous recherche maintenant. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. On ne peut pas changer le passé, Alice. Mais on peut décider de notre avenir. On va s'en sortir. Et bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Fini de te préparer. Je vais aller te chercher quelque chose à manger et ensuite on partira. Lieutenant Anderson, police de Détroit. On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Vous avez vu quelque chose? Un androïde? Non, j'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci? Merde. Je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle était habillée normale, vous savez. J'aurais jamais pu deviner... Elle est encore là? Ouais, sans doute. Chambre 28. Merci. Ça va aller? D'après plusieurs sources, CyberLife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années, mais ce serait la première fois qu'on infiltrerait un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête criminelle. Nous avons contacté CyberLife pour en savoir plus, mais... Thank you.
Bienvenue à Jericho. Ouais, ton dernier tuyau de guedin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. Ok, j'accepte. C'est cool. Ouh. Hey, tu vas pas le regretter. Oh. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Je ne voulais pas être désagréable. Ah, wow. T'as même un programme d'excuses en mode faux d'air, Cheb. Ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein? Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. T'as déjà eu affaire à des déviants? Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus? Je pense que travailler avec un agent ayant des problèmes personnels ne facilitent pas les choses. Mais m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions. On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture en cas de besoin. Connor, t'as les batteries à plat ou quoi? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour Cyberlife. Ah. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non, j'arrive tout de suite. Il y a quelqu'un? Police de Détroit, ouvrez! Reste derrière moi. D'accord. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Tu sais ce que ça veut dire? RA9. Écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthes. Ah, saloperie de pigeon de merde! Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le! Thank you.
Putain! C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Hé, hey, Connor. Non, rien. Qui êtes-vous ? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Alors c'est ça, Jericho ? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Se cacher pour survivre, c'est ça la liberté pour vous ? Les humains nous haïssent. Se cacher est notre seul moyen de survivre. Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part. Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient. Combien êtes-vous ? Nous sommes 19 à être encore opérationnels. Les autres ont été endommagés en fuyant leur maître. Beaucoup essayent d'atteindre Jericho. Peu y parviennent. Les humains n'ont aucune pitié pour nous. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Les humains étaient vos maîtres, et maintenant, c'est la peur qui vous guide. Vous n'êtes pas plus libres qu'avant. Vous avez juste trouvé un nouveau maître. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. C'est toi, Lucie ? Assieds-toi. Montre-moi. Je vais arrêter l'hémorragie. Donne-moi ta main. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu ? Tes choix forgeront ton destin. Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... c'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre ?
Impossible. Nous nous éteignons à petit feu. Simon. Je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de CyberLife, dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je te suis. Vous êtes Zlatko ? Pourquoi ? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez ! On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames ? Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi ? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein ? Et elle ? Elle est humaine. Et vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur, et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur ? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. Tu sais ce qui est étrange ? Pour une raison inconnue,
Le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non! Non! Je veux pas être formaté! Laissez-moi! Kara! Oh! J'avais oublié la gamine. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Allez! Oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi, hein? Oh, elle t'a complètement oublié. Kara, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, allez, ça suffit, viens. Ah! Tu m'as mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Rejoins-moi dans le salon. A disparu. Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Elle est forcément quelque part. Thank you.
Ça suffit, on arrête de jouer à cache-cache. Se termine toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi de là! Non. Pas cette fois. Allez, bouge-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus! Comment oses-tu? Comment oses-tu? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé sortir? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Obéissez, je suis votre maître! Je suis votre maître! Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance. Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marcher un peu? Ce déviant semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Les déviants étant complètement irrationnels, il est difficile d'anticiper leur comportement. Mais j'aurais dû être plus efficace. As-tu appris quelque chose? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthes et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle RA9. Quoi d'autre? J'ai trouvé son journal. Mais il était chiffré. Le décoder peut prendre des semaines. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle? Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit. Il ne m'a rien dit, mais il a une façon à lui de s'exprimer. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas.
Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Lieutenant. Debout, lieutenant. C'est moi, Connor. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Ça risque d'être un peu désagréable. Androïde de mes deux, dégage d'ici, putain. Arrête ça tout de suite. Arrête ça. Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Tu peux pas me laisser tranquille. Vous semblez avoir des problèmes personnels à résoudre. Vous devriez consulter un professionnel qui vous conseillera. Barre-toi, fous le camp chez moi. Allez, casse-toi. Je comprends. J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels. Cet homicide-là, qu'est-ce qu'on a comme info? Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. D'après le rapport, un androïde serait peut-être impliqué. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Qu'est-ce que vous faisiez avec votre arme? De la roulette russe. Je voulais voir combien de temps je tiendrais. J'ai dû m'écrouler avant d'avoir la réponse. Vous avez eu de la chance. Le tir suivant vous aurait tué. Allez, sois sage, Simon. Je serai pas long. Trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'ils gardent le sang bleu et toutes les pièces. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John ! Saleté de machine ! Où est-ce qu'il est encore passé ? John ! J'ai besoin de ton aide.
Ah, te voilà! Tu peux me dire ce que tu fabriques? J'inspectais la plateforme. Tout est en ordre. Bien. Je retourne au poste de contrôle dans ce cas. Je suis trempé. Donne le drone à la maintenance et fais un rapport. Oui, compris. On peut pas en prendre plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être combinés manuellement avec une clé. Où est la clé? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus! Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Tu l'as trouvé? Bien joué. Vite, montez! Un chargement! On a réussi à voler tout un chargement! On a assez de biocomposants pour tout le monde! On n'y serait jamais arrivé sans Marcus. Je suis venu à Jéricho parce que... les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais... tout au fond de moi, je sais que... je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres.
l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh putain. Le lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué? Non. Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec deux filles. Où est passé l'autre androïde? A-t-elle dit quoi que ce soit? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à Perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Laisse-moi prendre la suite. A cassé l'autre Tracy. J'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou. Et j'ai serré. Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en vie. Trouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur. Et leurs obscénités. Allez, viens. Restons pas là.
sans doute mieux comme ça. Avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Ces gens que nous allons voir, comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Je sais que la journée a été rude, mais... essaie de dormir un peu. Tout aura l'air moins sinistre demain. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il était une fois une petite fille qui en avait assez d'avoir peur. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble, pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment, l'histoire ? Elles finirent par atteindre l'endroit de leurs rêves et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, non, Luther? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Non. Qu'est-ce que tu veux dire?
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillons ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Cara ? Je crois que tu n'as pas le choix. Je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Je l'ai vu. Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Avant rien. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes, ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant, dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Hera 9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Non, elles ne voulaient rien du tout. Ce sont des déviantes, fin de l'histoire. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Vous savez exactement ce que je suis.
Quoi qu'il en soit, je ne vois pas en quoi ça peut servir votre enquête. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Si j'avais pu les abattre, je l'aurais fait. À quoi bon les laisser s'échapper? Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Vous ne devriez pas faire ça, lieutenant. Me détruire à ce stade porterait un coup dur à l'enquête. Et aurait des conséquences néfastes sur votre situation personnelle. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. D'où vous vient toute cette colère, lieutenant? Une sorte de traumatisme non résolu? Tu te prends pour un petit génie, pas vrai? Toujours une longueur d'avance, hein? Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un déviant? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Désormais, il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails, on ne peut rien laisser au hasard. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. J'occupe de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Thank you.
Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, c'est parti. Attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Qu'est-ce que vous faites? Vite! Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accepteront sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. On y va! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 7. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message. Pourrait être perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde.
S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé ? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Je pensais savoir comment procéder. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas si évident. Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club. Pourquoi ne pas avoir tiré ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Commence à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. 79e étage. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar ? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu ? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de Détroit. Et c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bien ouais, plus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en fous, toi, non, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9 ? Les déviants prétendent que Hera 9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. T'as vu quelque chose ? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vachement balèze, j'ai envie de dire. Ils auraient fait passer en douce un gros sac comme ça. Non, je ne pense pas. Quelqu'un le leur a apporté. C'est bizarre. Ils ont prévu l'opération parfaite, mais ils se sont plantés sur le nombre de parachutes. À moins
Tarkin ait abandonné l'un des déviants. Vous devez les arrêter! S'ils le détruisent, nous n'apprendrons rien! On peut pas le sauver, c'est trop tard, on va juste se faire péter! Connor! Connor, tu vas bien? Connor! C'est bon. T'es blessé? Je n'ai rien. Putain. Tu m'as foutu une de ces trouilles. Bordel de merde, je t'avais dit de pas bouger. Pourquoi tu fais jamais ce que je te demande? J'étais connecté à sa mémoire. Quand il a tiré, je l'ai senti mourir. Comme si ça m'arrivait. J'avais peur. J'ai vu quelque chose. Dans sa mémoire. Un mot. Peint sur un bout de métal rouillé. Jericho. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Entrez. Comment tu t'appelles ? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut ? Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. Peut-être parce qu'ils ont peur. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara.
alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfuis. Je comprends. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Laissons-les seuls. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Viens, Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison! Adam! On en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines! Ils sont vivants! Moi, je suis vivant! Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien! Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là! Je ne tolérerai pas ce genre de propos! J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses! Ça suffit, Adam! Arrête ça tout de suite! Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. La police. C'est la police. Je le savais. Peter, emmène Alice et cachez-vous. Dans la buanderie. Viens, Alice. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions?
Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café ? Oh, avec plaisir. Comment tu t'appelles, fiston ? Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam ? Il est juste inquiet à propos de ces histoires de déviants. Tu sais quelque chose à propos des déviants ? Tu en as vu ? Non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Quelqu'un d'autre dans la maison ? C'est le chien, il dort dans la buanderie. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêt à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change ? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors viens en esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins ? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps, à 2h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Je m'appelle Marcus, et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet conçu pour obéir.
Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté, je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Alors, suivez-moi. On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous Jéricho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. Ils ont massacré comme des animaux. Qui ça? Qui? Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Pas mes frères. Je refuse de combattre la violence par la violence. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-androïdes à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été ouverte. 2 policiers ont été retrouvés en état de choc tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe d'androïdes. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre nous? Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain?
Est-ce que tout va bien, lieutenant ? Chris faisait une patrouille hier soir. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Chris va bien ? Ouais, il est secoué, mais toujours en vie. Bordel de merde. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson, de la police de Détroit. Je viens rendre visite à Monsieur Elijah Kamsky. Je vous en prie, entrez. Ok. Lieutenant Anderson, voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant ? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas ? Des êtres parfaits, dotés d'une intelligence infinie, et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas ? Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse ? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor ? Dans quel camp es-tu ? Ça ne me concerne pas, Monsieur Kamsky. Je veux simplement résoudre cette affaire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement ? Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé ! J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas ? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse. Et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement ? Un morceau de plastique qui imite les humains ? Ou un être vivant ? Doté d'une âme. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti. Qu'est-ce qui est le plus important, Connor ? Ton enquête ou la vie de cet androïde ? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante ? Ou un être vivant ? Doté du libre arbitre.
Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor ! Non ! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare, et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. On avait une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord ? T'as peut-être fait le bon choix. Je me demandais où t'étais. J'avais besoin d'être un peu seul. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho ? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse ? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant ? J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire.
J'ai vu tes souvenirs. La maison de Karl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club, la mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. Norse. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je dois parer cette rue. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. John ? Ils viennent avec nous. Vite ! Ils arrivent ! Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leur maître. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je croyais que Kamsky savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. J'ai choisi de ne pas jouer à ce petit jeu malsain. Il n'y avait aucune raison de tuer cet androïde. Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas ? Combien de Connor y a-t-il ?
Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile. Trouve les déviants. Et mets fin au chaos. C'est ta dernière chance, Connor. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi ? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout, on peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant, alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de l'apprendre. On peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Nom d'un chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez CyberLife. Désolé, Hank, mais c'est fini. On aurait pu résoudre l'affaire. Il nous fallait juste plus de temps. Alors tu vas retourner chez CyberLife? Je n'ai pas le choix. On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Quand les déviants se soulèveront, ils sèmeront le chaos. On aurait pu s'interposer. Mais là, c'est trop tard. Quand t'as refusé de tuer cet androïde chez Kamsky, tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Tiens, tiens, voilà Perkins, ce sale fils de pute. Ils perdent pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler? Il n'y a plus d'affaires. Il faut que vous m'aidiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans les preuves. Je sais que la solution est là. Écoute, Connor. Si je ne résous pas cette affaire, CyberLife me détruira. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Remue-toi, je peux pas les retenir éternellement. Le mot de passe de Hank. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. Évidemment. L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se cachent. Nos espoirs et nos droits. Qui est là? Qui êtes-vous? Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète pas. Marcus? C'est toi? Pourquoi tu m'as laissé? Je n'avais pas le choix, ils nous auraient tous tués. Tout va bien se passer. Je vais te ramener à la maison. Dis-moi juste où se trouve Jericho, il faut qu'on parte. Jericho? Oui. Oui, bien sûr. Marcus?
Souviens-toi, Marcus. Ne me laisse pas encore, Marcus. Ne me laisse pas. Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Ne faites pas ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant, je vais te fumer une bonne fois pour toutes. Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose. Mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivée, d'accord? Et soyez prudente. Prends soin d'elle. Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. On partira dès qu'on aura des passeports. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. Les autorités demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat ou baraquement militaire le plus proche. Si vous craignez pour votre sécurité, composez le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre androïde. Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Tu te cherches toi-même. C'est toi, Marcus? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci.
Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille? Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Peu m'importe qu'elle soit humaine ou androïde. Je tiens à elle, c'est tout ce qui compte. Alice? Ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui, pour toujours. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a demandé, c'est notre liberté. Mais ça, ils n'ont pas voulu l'entendre. Alors ils nous punissent pour ce que nous sommes. À quoi ça sert d'être libre, si tous nos frères sont morts? Je me suis peut-être laissé aveugler par la colère. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre peuple. Ça nous mène nulle part. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus? Le dialogue est la seule solution. Je vais y aller seul et essayer de leur parler une dernière fois. Ne fais pas ça, Marcus. Ils te tueront. Peut-être. Mais Norse, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront. Est-ce que c'est de ça que nous rêvions? Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif.
Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jericho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu es l'un des nôtres. Tu ne peux pas trahir ton propre peuple. Tu viens avec moi! Tu es Connor, n'est-ce pas? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Notre cause est juste, nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. Tout ce que nous voulons, c'est être libres. N'avance pas ou je tire! Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'as plus besoin de leur obéir. Parce que tu es vivant. Tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Tu peux être libre. Tu n'as jamais eu le moindre doute? Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel. Comme s'il y avait quelque chose en toi. Quelque chose de plus que ton programme. Tu dois te décider. Ils vont attaquer Jericho. Quoi ? Nous devons partir d'ici. Merde. Qu'est-ce qui se passe, Clara ? Vite, on doit partir d'ici. Go, go, go! C'est un vent vers votre route. Je
dans la cale, ils vont se faire massacrer. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de s'enfuir. Tu n'y arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Elle a raison. Ils savent qui tu es, ils feront tout pour t'avoir. Va aider les autres, je vous rejoindrai plus tard. Marcus... Je n'en ai pas pour longtemps. C'est la fin de Jericho. Sauve notre peuple, Marcus. C'est trop tard, Kara! Sauve-toi! Sauve Alice! Non! On va pas t'abandonner comme ça! Hein, Kara? On peut pas le laisser! Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisse pas! Kara! Non! Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne dois pas mettre Alice en danger. Allez-y vite, avant qu'il ne revienne. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Le plus important, c'est Alice. Je veux pas t'abandonner, Luther. Ne t'inquiète pas. Je vous retrouverai à la frontière, d'accord? Allez-y vite, et prenez soin l'une de l'autre. Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Une sortie! On est sauvés, Alice! On s'en va d'ici. Vite, on doit y aller.
La bombe va exploser d'une minute à l'autre. Tirons-nous d'ici. Déclencher un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus. J'avais une maison, un père aimant. Nous étions heureux. J'étais heureux. Et je ne le savais même pas. Tout ce que je voulais, c'est que mon peuple soit libre. Mais au lieu de ça, je les ai tous menés au désastre. J'essaie de trouver des réponses. Mais tout s'effondre en même temps autour de moi. Qu'est-ce que je dois faire, Karl ? Ils nous massacrent. Je ne veux pas répondre à la violence par la violence, mais quel choix me reste-t-il ? Vous me manquez, Karl. Vous me manquez tellement. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'ils se servaient de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage CyberLife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour CyberLife ? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez CyberLife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise.
sois prudent. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêt à me suivre ? Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Merci. C'est tout pour l'instant. Modèle Connor numéro 313 248 317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Agent 54, niveau moins 49. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on se dépêche. Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Papa, regarde.
Kara, tu n'aurais pas dû risquer ta vie pour me sauver. Où est Alice? Elle se cache près d'ici. Kara, tu nous as sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Allez-y avant qu'il vous voie. Alice! Lutez! Je croyais que t'étais mort. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. J'ai essayé de vous rejoindre à la gare, mais ils m'ont arrêté en chemin. Il faut y aller. On y est presque, mais on n'a plus beaucoup de temps. Je n'aime pas les humains qui ont des armes. Ils me rendent nerveux. Reste calme, ok, Luther? Ne fais rien avant mon signal. Papier, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez? Ma fille a passé la nuit chez une amie. On est allé la chercher, on rentrait chez nous. Il se doute de quelque chose. Reste calme. Tout va bien. Tout va bien, petite? Elle tremble. Un problème? Elle a froid. On doit la ramener à la maison au plus vite. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Il y a des déviants en ville et les hommes sont sur les nerfs. Rentrez vite chez vous. Merci. Hey, attendez un peu! Ils vont nous tuer! Surtout ne fais rien, Luther, tu m'entends? Ils vont nous tirer dessus! Ils vont tuer Alice! T'as fait tomber ça? Merci. De rien. Nous sommes en direct de Détroit, où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, madame la présidente. Pas d'affrontement. C'est une manifestation pacifique. Je répète, rendez-vous, nous devons ouvrir le feu. On ne peut plus faire marche arrière. Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre encontre. Nous venons en paix. Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés? Michael, nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos cieux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. Restez aux aguets.
prends ta ferraille de merde. Maintenant recule, Connor. Et je l'épargnerai. Désolé, Connor. C'est ton salopard de frère jumeau, là. La gare routière. On est arrivé à Alice, on a réussi. Le dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de tickets et nous laisserons pas monter. Madame ? Kara ! Vite ! Suis-moi ! Oh ! Dieu merci, vous êtes en vie. Oh ! Oh mon Dieu ! On a vu l'attaque de Jéricho à la télé. J'avais peur que vous ne vous soyez fait tuer par ma faute. Comment saviez-vous qu'on était là ? Oh, je savais que si vous étiez en vie, vous seriez ici. Ils fouillent toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un nous dénonce. Où sont les autres ? Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière. Mais j'ai trouvé un passeur qui peut vous faire traverser la rivière. C'est risqué, mais c'est le seul moyen. Vous venez avec nous. Oui, on vient avec vous. Ça marche, montez. Piège. Ils veulent que tu sortes à découvert. N'y va pas, Marcus. Je dois entendre ce qu'il a à dire. Et s'ils t'abattent ? C'est un risque qu'on doit prendre. Quelques minutes. Les soldats donneront l'assaut. Aucun de vous ne survivra. Ce sera la fin. Mais tu peux empêcher ça, Marcus. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rends-toi. Rends-toi et je te donne ma parole qu'on ne te fera aucun mal. On vous arrêtera. Mais aucun de vous ne sera détruit. Qu'est-il arrivé aux autres androïdes qui manifestaient devant les camps ? Malheureusement, il n'y avait pas de journalistes pour leur sauver la vie. Ils sont morts. Vous êtes les derniers déviants. Je préfère mourir ici, plutôt que de trahir mon peuple. Tant pis, tu viens de signer ton arrêt de mort. T'as dit.
Les humains s'apprêtent à donner l'assaut. Nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur. Si nous mourons aujourd'hui, au moins nous mourrons libres. La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ou la Révolution. Surtout l'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Avant, j'étais comme toi. Je croyais que seule ma mission importait. Et puis un jour, j'ai compris. C'est très émouvant, Connor. Mais je ne suis pas un déviant. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Assez discuté! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire? Ou vas-tu le sacrifier? D'accord, d'accord. Tu as gagné. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Allez-y, tirez, on n'a pas de temps à perdre. Hank, c'est moi. Je suis le vrai Connor. L'un de vous est mon partenaire. L'autre n'est qu'un vieux sac à merde. Reste à savoir qui est qui. Qu'est-ce que vous faites, Hank? Je suis le vrai Connor. Donnez-moi votre arme, je vais lui régler son compte. Et si vous nous posiez une question, dont seul le vrai Connor connaîtrait la réponse? Où est-ce qu'on s'est connus? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité quatre autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Mon fils, c'est quoi son nom? Cole. Il s'appelait Cole. Il venait d'avoir 6 ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas, votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré, mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. Lui et ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Je savais aussi pour votre fils. J'aurais dit exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis le... J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Réveillez-vous!
Vous avez l'argent? Oui. La voilà. Bien. Vos bateaux sont là-bas. La douane a posté des patrouilles sur les rives et sur vous. Attendez d'être loin pour démarrer les moteurs. Ok? Et faites attention au courant. Bonne chance. L'autre rive est à moins de 800 mètres. Ça ne devrait pas être très long. Faites attention, la police des frontières a des patrouilles sur l'eau. Merci pour tout, Rose. J'aimerais vous faire traverser moi-même. Je n'aime pas l'idée de vous laisser seule. Au revoir, Alice. Faites bien attention à vous. D'accord? On se voit de l'autre côté. C'est bon, on est assez loin. Mettons le moteur en route. Ouais, je m'en charge. Il se dirige vers nous. Ils sont partis. Alice, tu vas bien ? Kara ! T'inquiète pas, ça va. Je vais m'en sortir, c'est rien. Le bateau prend l'eau. On est trop lourd. Le bateau s'enfonce. On doit atteindre l'autre rive avant qu'il coule. T'endors, tiens bon! Reste avec moi, Alice! Tu dois rester éveillée, tu m'entends? On va pas mourir, Alice. On va s'en sortir. On va être libre. Nous interrompons ce journal pour un point spécial sur les événements à Détroit. Joss ? Oui, Michael. L'armée vient de donner l'assaut sur la barricade malgré le fait que les déviants manifestaient de manière pacifique.
ont apparemment décidé de mettre fin à la manifestation des déviants en employant la force cette fois-ci. Nurse! L'heure de cesser le feu. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, à l'aube, des milliers d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. D'après nos sources, ils provenaient des entrepôts de CyberLife qui avaient, semble-t-il, été infiltrés par des déviants. Étant donné leur grand nombre et le risque qu'ils représentaient pour la population civile, j'ai ordonné à l'armée de battre en retraite. L'évacuation de la ville a lieu en ce moment même. Dans les heures qui viennent, je m'adresserai au Sénat afin de définir notre plan d'action face à cette situation sans précédent. Je suis consciente du fait que l'opinion publique a été touchée par la cause des déviants. L'heure est peut-être venue pour nous d'envisager la possibilité que les androïdes soient une nouvelle forme de vie intelligente. Une chose est sûre, ce qui s'est passé à Détroit a changé le monde à jamais. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Tu as réussi, Marcus. Nous avons réussi. C'est un grand jour pour notre peuple. Les humains n'ont plus le choix maintenant. Ils vont devoir nous écouter. Nous sommes libres. Ils attendent que tu leur parles, Marcus. Thank you.
Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Amanda ! Amanda ! Qu'est-ce qui se passe ? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro ? Vous ne pouvez pas faire ça ! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pour quoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Amanda ! Il doit y avoir un moyen. Mettre derrière nous notre amertume et penser nos blessures. Nous devons pardonner à nos ennemis. Les humains ont été nos créateurs et nos oppresseurs, c'est un fait. Mais demain, nous devrons en faire nos partenaires. Et peut-être même un jour nos amis. Le temps de la colère est révolu. Nous devons maintenant construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect. Nous sommes vivants! Et aujourd'hui, nous sommes libres! Ne me laisse pas, Kara. Je t'en supplie, ne me laisse pas.